Bon, l'histoire, j'y pense, la première fois que j'ai entendu la fondation, c'était Stéphane Bros qui la connaissait bien, qui avait des amis dedans. Il m'en avait parlé un peu comme ça. Jour, il y a Serge qui m'appelle, il me dit, attends, on va faire un petit film pour montrer à qu'est-ce qu'on fait, pour montrer l'importance de l'eau, pour la vie, de l'eau. Et là aujourd'hui, donc tu es en plein soleil. Et aujourd'hui, bon, il y a beaucoup d'eau, hein, parce qu'on voit qu'il y a l'eau là, il y a de l'eau au ciel, donc on est tous entourés d'eau. Donc c'est se rendre un peu compte qu'on en a besoin, que c'est vrai que dans une vie qu'on est de plus en plus dans la technologie, on pense qu'avec la chimie, qu'avec la technologie, on peut tout créer. Mais pour avoir de la vie, on a besoin de choses qui sont naturelles. Et fondamental, c'est l'eau. Et l'eau, ça vient de la neige, ça vient de la glace. Ça fond, ça se transforme. Et il faut être conscient l'entretenir, il faut la protéger pour vivre. Bon, Snow Globe, ça va être un film qui va rassembler beaucoup de choses. Ça va rassembler plein de gens qui veulent un futur meilleur, qui veulent un monde plus sain, un monde plus écologique à travers l'eau. Ça va rassembler des histoires et ça va rassembler beaucoup de champions aussi. Il y aura Stanguet, il y aura Géraldine, il y aura moi-même, il y aura plein de gens qu'on va aider à mener cette boule le plus loin possible. Voilà, on est prêt pour une session de plongée sous la neige. C'est ça.